soirée. Remarquez l'expression du visage. Il est très déterminé. Triple saut, ouais. Enchaîné du double flip. Ah oui. Pas d'erreur jusqu'ici. Programme parfait, bien contrôlé. Il reste à peu près 1 minute 15. Superbe. Superbe, Louise. J'ai hâte de voir. Vous m'énervez, Jean. Je suis tellement tendue d'avance. Elle a donné une excellente performance également au championnat d'Europe cette année. Il reste moins d'une minute. Triple cherry flip. Hey! On la voit toute contente. Est-ce qu'elle est soulagée? La difficulté technique est bien réussie. Ça, c'est la dernière partie de son programme. Ah ben, je pense qu'elle sera pas loin de la première place. C'est pratiquement gagné. 3 minutes 35. Et elle le mérite amplement avec une telle performance. Quinzaine de secondes. Et ça se termine là-dessus. Hey, je pense qu'elle... Est-ce qu'on lui donne le championnat du monde? Oui. Ovation debout pour Katharina Witt. C'est bien mérité, de toute façon. Et ça, ça va pousser Elizabeth Manley en quatrième place, hors du podium. C'est dommage. Nous allons attendre les notes, mais regardez. Elle le sent, je pense. Elle le sait qu'elle a fait très, très bien. Une super performance. Celle de Thomas était... extraordinaire. Alors, on aperçoit le triple cherry flip. Il n'y a absolument rien raté. Ouais, aucune faute. Hein. Super. À nouveau. Le ralenti. C'est le triple saut quart. Ah oui, je pense qu'elle va devenir la championne du monde, reprendre son titre qu'elle avait gagné en 84-85 et perdu en 86 à Debbie Thomas, l'Américaine. Les notes... On aperçoit au ralenti le triple loop qu'elle a très, très bien réussi. Et elle a terminé très forte à part ça, avec un mouvement difficile techniquement. Alors, on aperçoit l'entraîneur qui... Bon, alors là, ça, c'est le moment de vérité. Il y a Tamela qui en pleure. C'est le moment de vérité. On va voir les notes. Katharina Witt, l'Allemagne de l'Est. 22 ans, depuis le 12 mars dernier. Triple saut quart. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'émotions parce que...